Vincent Queijo et Rim Renan ont pris tout le monde de court en annonçant leur rupture. Depuis, ils ont su trouver leur équilibre dans cette nouvelle vie de célibataire dans laquelle ils ont su rester soudés pour le bien-être de leurs filles Maria Valentina et Alma. D'ailleurs, le jeune homme va, tout comme son ex Rim et leur fille, rentrer en France afin de voir sa famille. Mes enfants ont besoin de voir leurs oncles, tantes, cousins et grands-parents. Il en a profité pour dire qu'il allait beaucoup mieux désormais et que la rupture lui a fait réaliser beaucoup de choses. Prêt à retrouver l'amour? Bien évidemment, un internaute lui a demandé s'il se voyait retrouver l'amour après sa séparation avec la mère de ses enfants. Bien sûr. Pas maintenant. Mais bien sûr que j'aimerais et j'espère trouver quelqu'un. Ce n'est pas ma priorité, mais comment ne pas vouloir vivre des émotions et partager des choses avec une personne que l'on apprécie pour ce qu'elle est. Vous l'aurez compris, si Vincent reste ouvert à l'amour, il ne fait pas de cela sa priorité. En ce qui concerne son envie d'avoir d'autres enfants, il répond : pour être très honnête, je ne pense pas. Mais dans la vie, il ne faut jamais dire jamais. J'avais dit que je ne divorcerai jamais. De retour en télé-réalité, cela fait des années, depuis la fin de la saison 5 de la Villa des Cœurs Brisés, que Vincent Queijo s'est éloigné du milieu de la télé-réalité qu'il a fait connaître. Compte-t-il un jour participer à un nouveau programme du genre? La télé-réalité, quel sujet? À vrai dire, j'aime les faire, pas forcément les regarder, mais j'aime la télé-réalité, l'ambiance des tournages, les histoires, tout j'aime. Mais j'ai 33 ans désormais. Les candidats en ont 20, je pense qu'il y a un fossé. Est-ce que je n'ai pas fait mon temps? Possible que oui. Just need some